il était une figure de la ville de Nice. Le 5 juin dernier, l'artiste Ben a décidé de mettre fin à ses jours dans sa maison située sur les hauteurs de la ville, suite à la disparition de sa femme Annie, décédée des suites d'un AVC. Un double drame pour les proches de l'artiste, mais également pour la ville de Nice, qui a souhaité lui rendre un hommage digne de ce nom. Ce jeudi 13 juin, une cérémonie a été organisée et a rassemblé près de 1300 personnes, si l'on en croit les infos du magazine Pure People. Un événement important auquel était bien sûr présent Christian Estrosi, le maire de la ville, ainsi que son épouse Laura Tenucci. Ému, l'édile a adressé quelques mots à l'artiste disparu. Nice qui te doit t'en doit continuer à dire au monde que tu es vivant, a déclaré Christian Estrosi pendant sa prise de parole. Le maire de la ville a ensuite rendu hommage au couple très fusionnel que formaient le célèbre graphomane et sa femme. Annie, vivre avec Ben ce n'est pas facile. Mais tu le sais, vivre avec Ben, c'est vivre vraiment. Ben, vivre avec Annie, c'est inespéré. Mais Ben, tu nous l'as prouvé, vivre sans Annie, c'est tout simplement désespérant. C'est cela l'amour dont vous nous avez éblouis. De son côté, Laura Tenucci a présenté ses condoléances à la famille des deux défunts, dont les cercueils sont arrivés recouverts du drapeau occitan et au son d'air traditionnel, interprété par le groupe niçois Nux Vomica. Et plus d'un millier de personnes ont fait le déplacement jusqu'au parc du centre de Nice, la promenade du Paillon, pour rendre un dernier hommage à l'artiste Ben et sa femme Annie. Nombre d'entre eux arboraient des t-shirts noirs avec les célèbres mots du graphomane. Ils ont pu laisser un mot, faire un dessin ou déposer des fleurs. Eva Vautier, la fille du couple disparu, était présente à cette cérémonie. Très touchée lors de cette journée particulière, elle a été réconfortée par le maire de Nice, Christian Estrosi, visiblement très attentif à sa peine. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.